يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني، وتركتني حيران صبا هائما أرعى النجوم وأنت في نوم هني. L'auteur de ces vers est le sultan Saïd ibn Ahmad, fils du fondateur de la dynastie des Al-Saïd. Cette dynastie règne sur le sultanat d'Oman depuis le début du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est l'une des plus anciennes dynasties royales de la péninsule arabique. Le règne des Abu Saïd à Oman remonte à une période très lointaine. Il succède à l'époque des Ya'ariba et se prolonge jusqu'à nos jours. Ce sont les Abu Saïd qui détiennent encore les rênes du pouvoir et gouvernent le sultanat. Je pense que la famille saïdienne est actuellement l'une des familles régnantes les plus anciennes au monde, si l'on en juge par sa longévité. C'est cette noble famille qui est à la tête du pouvoir et qui bénéficie de l'adhésion et du soutien populaire. La société omanaise a été depuis toujours une société ouverte sur l'autre. Il y a 4000 ans déjà, les caravanes commerciales partaient d'Oman vers l'Est et l'Ouest. Elles faisaient alors commerce de ce beau produit qu'est l'Oliban. C'est le négoce de l'encens qui lui a permis de diffuser l'identité, la culture et la civilisation de ce pays. Ces voyages de commerce maritime qui avaient lieu entre Oman et diverses autres nations ont façonné l'identité omanaise et ont initié l'Omanais à la considération et au respect d'autrui et à l'échange avec lui. Les Omanais ont de la sorte acquis la connaissance de l'autre et des civilisations qui les entourent. Et cela leur a donné confiance en eux-mêmes tout autant que le désir de la relation humaine. Par conséquent, il n'y a pas eu de rigorisme ni d'enfermement chez les Omanais tout au long de leur histoire. Nous savons par exemple que les contes de Sindbad ont pour point de départ la ville de Souar. Même s'il s'agit de récits imaginaires, cela témoigne de la profondeur de cet échange civilisationnel entre Oman et le reste du monde. Les Omanais ont possédé l'océan Indien pendant des centaines d'années, avec des commerçants qui commerçaient avec l'Afrique, commerçaient avec les Indes, commerçaient avec la Chine même. Et donc nous avons des récits depuis des siècles et des siècles, hein, depuis Alexandre le Grand d'ailleurs, sur Mascate. Oman a fasciné les gens. Et d'ailleurs, vous ne trouverez jamais une critique sur Oman par les voyageurs. Qu'ils soient des militaires, des diplomates, des marins, que ce soit des touristes de l'époque. Passionné par l'histoire de la péninsule arabique et du sultanat d'Oman en particulier, Xavier Béguin Bilcock, historien et petit-fils d'un des premiers consuls de France en poste à Oman, a publié de nombreux ouvrages sur l'histoire, les traditions et la culture du sultanat. Et j'ai édité un ouvrage, les photographies de ma grand-mère. C'est la seule femme d'un consul de France qui était allée avec son mari à Mascate. Mais c'était quelqu'un d'avant-garde. Donc elle partait avec ses gardes et elle prenait des photographies. Ça raconte Mascate, la vie à la cour, les réceptions du sultan. Et ça a permis à la restauration de Bayt Ramsar, l'ancien consulat de France, qui est un ancien palais appartenant à la petite fille de Saïd Saïd, le grand souverain d'Oman et de Zanzibar. Et on en a fait un musée franco-omanais.
Cette maison était à l'origine le premier consulat de France et la résidence du consul français. 13 consuls français se sont succédés ici. Les archives qui se trouvent dans ce lieu sont des correspondances entre les gouvernants français et omanais au XVIIIe siècle. Il s'agit de traités et d'accords de réconciliation qui proviennent en grande partie des archives du ministère des Affaires étrangères français et de la Bibliothèque nationale de Paris. Au début du XVIe siècle, Oman connaît un déclin, avec une occupation partielle de son territoire par les Portugais. Les troubles et les guerres civiles internes marquent alors durablement la période. En 1744, le pays retrouve une stabilité et un nouvel âge d'or avec l'élection de l'imam Ahmed ibn Saïd, fondateur de la dynastie régnante actuelle. Au milieu des années 1960, le pays connaît à nouveau des troubles et l'instabilité. L'accession au pouvoir du sultan Qaboos ibn Saïd sera porteuse d'une ère nouvelle, d'une renaissance pour le pays et le peuple omanais. Pour ce qui est du régime politique d'Oman, on sait qu'avant l'avènement de la Renaissance omanaise, le 23 juillet 1970, il n'y avait pas de loi, ni de régime à proprement parler. La nation était isolée du reste du monde et vivait dans un état de pauvreté et d'ignorance avérée. Il n'y avait pas de programme d'éducation ni de santé. Il n'y avait pas davantage de routes ni d'autres services utilitaires. Les droits étaient limités et les libertés restreintes. Même le voyage à l'étranger était interdit. Et les déplacements à l'intérieur du pays n'allaient pas sans difficulté. Quand le sultan Qaboos, que Dieu le protège, a pris les rênes du pouvoir à Oman, il a dû définir les premiers objectifs sur lesquels édifier le régime de gouvernance et la renaissance omanaise. Depuis qu'il a pris la guidance du pays en 1970 jusqu'à aujourd'hui, le sultan Qaboos ne s'est jamais départi du prestigieux passé d'Oman. Au contraire, il n'a fait que rajouter à son édification et le consolider. Il a veillé à garder un équilibre entre la tradition et la modernité et à mettre en exergue les aspects matériels et spirituels, de manière à ce que l'identité omanaise soit préservée et ne disparaisse pas des mémoires des générations futures. C'est ce rempart-là qui assurera la préservation de cette identité, en l'orientant non pas vers la fermeture, mais vers l'ouverture équilibrée aux autres, tout en conservant ce qui fait le trait caractéristique de l'être omanais, son identité, sa religion, ses traditions, sa culture, sa langue arabe, ses coutumes arabo-islamiques, etc. Dès le début de son règne, le sultan Qaboos ibn Saïd initie un important programme de développement socio-économique et une modernisation sans précédent du sultanat. Une règle de succession est établie afin de garantir la continuité de la dynastie. Une constitution promulguant l'état de droit est adoptée. Un nouveau système politique est mis en place avec deux chambres dotées de pouvoirs législatifs dans lesquelles la femme a toute sa place. Chers concitoyens, depuis le début de ce règne, nous avons accordé un grand intérêt à la participation des femmes omanaises dans le devenir de la Renaissance. Nous lui avons fourni l'opportunité de s'instruire et d'accéder à l'emploi. Nous avons consolidé son rôle et sa place au sein de la société. Car nous sommes convaincus que, sur cette voie bénie, la nation a besoin tout autant de ses hommes que de ses femmes. La nation est sans conteste comme un oiseau qui doit s'appuyer sur ses deux ailes pour s'envoler vers les cieux. Encouragé par le sultan Qaboos et protégé par la loi,
les femmes omanaises s'impliquent pleinement dans la vie politique du pays. Elles sont désormais de plus en plus nombreuses à se porter candidates à des postes importants dans les institutions étatiques. J'ai été nommée pour la troisième fois au Conseil d'État en vertu d'un décret du sultan datant de 2015. J'avais présenté ma candidature au poste de vice-président du Conseil. La concurrence était très rude. Mais grâce à Dieu, j'ai pu l'emporter par 83 voix sur 84. Je considère que le fait d'avoir été choisie et élue de manière libre et directe est une victoire pour la femme omanaise. Et une manière de lui signifier qu'elle peut prétendre à toutes les fonctions électives. Naturellement, ce poste m'a donné l'occasion d'enrichir les directives et les tâches spécifiques du Conseil d'État, de proposer de nouvelles politiques et des changements afin de modifier ou d'améliorer le fonctionnement étatique pour ce qui concerne les missions de cette instance. La femme est la moitié de la société et sa collaboration avec l'homme est nécessaire. Non pas pour intervenir sur les dossiers des femmes, des hommes ou des enfants, mais pour la façon dont elle aborde différemment les dossiers. Car la femme réfléchit différemment de l'homme et les deux, ensemble, peuvent réaliser et inscrire le développement de la nation dans la pérennité. La création du Musée national d'Oman fait partie des réformes entreprises par le sultan pour la préservation et la transmission du patrimoine culturel, matériel et immatériel omanais. La création du Musée national est l'illustration de la noble vision du sultan Qaboos ibn Saïd. Vision qui consiste à réaliser un édifice culturel et national contenant toutes les données du patrimoine culturel omanais. Les étudiants constituent 48% environ de l'ensemble des visiteurs annuels. Cette population estudiantine est l'une des priorités du musée. Par le message que nous voulons véhiculer, nous ciblons les futures générations dans le but de faire émerger une jeunesse éveillée, savante, consciente des enjeux de l'époque, tout en étant enracinée et fidèle à son identité nationale. À l'image des autres mosquées du pays, la grande mosquée Sultan Qaboos de Mascate accueille tous les fidèles pour la prière, indépendamment de leurs écoles juridiques. La tolérance religieuse est l'un des principes immuables de l'ibadisme. Fidèles au message coranique et à la tradition prophétique, les ibadites prient en parfaite communion aux côtés de leurs frères chiites et sunnites.
le docteur Souleyman Al-Husseini, un des témoins et acteurs du dialogue entre toutes les traditions religieuses à Oman, enseigne à l'université de Nizwa, qui compte un nombre important d'étudiantes, à l'image de la plupart des universités du pays. On sait que les Omanais appartiennent à des écoles musulmanes différentes et sont issus des Ibadites, des frères sunnites de toutes les voies et des chiites de toutes les écoles également. J'utiliserai l'expression suivante pour qualifier l'état des choses. Tous ici jouissent de l'entente, de la liberté et de la tolérance religieuse. Cela n'est pas seulement valable sur le plan de la foi, mais aussi dans la vie sociale de tous les jours. C'est pourquoi les adeptes de courants musulmans différents peuvent, à titre d'exemple, se marier entre eux. L'époux peut être ibadite ou sunnite, et l'épouse, ibadite ou sunnite ou chiite. Bien l'époux peut être chiite, et ainsi de suite. Je dirais que c'est un niveau supérieur d'exercice de la liberté et de la tolérance religieuse qui ont cours à Oman. Le docteur Al-Husseini a mené et publié de nombreuses recherches sur la société omanaise et sur les traditions religieuses présentes au sultanat d'Oman. Je me suis intéressé à la relation du musulman ou du musulman omanais ou de l'islam d'Oman tout court avec les fidèles des autres religions. On sait qu'il existe à Oman une importante communauté chrétienne d'origine européenne, est-asiatique et même arabe, qui vit et travaille ici. Il y a également les adeptes d'autres religions, comme les bouddhistes ou les sikhs, qui sont venus d'Inde et se sont installés avec leur famille à Oman depuis très longtemps. Il reste à se demander, d'un point de vue académique et scientifique, quel est le niveau de liberté dont jouissent ces gens-là dans l'exercice de leur tradition religieuse? Et dans quelle mesure cette liberté est-elle conforme à leur foi? C'était la question clé de ce travail de recherche. J'ai vraiment bien étudié le sujet et j'ai trouvé qu'ils pratiquaient leurs croyances en toute liberté, sans contrainte ni sentiment d'oppression ou de harcèlement. Nous avons toujours ce dialogue en commun. Le ministère des Affaires religieuses fait réellement beaucoup pour le dialogue. Aussi, nous devons refléter, à partir de nos pensées, notre bon sens de la justice et de la responsabilité. Ce n'est que lorsque nous connaissons nos similitudes que nous acceptons nos différences et que nous pouvons vivre paisiblement comme frères et sœurs, musulmans, chrétiens et hindous ensemble dans cet endroit. Beaucoup de gens sont surpris lorsqu'ils viennent à Oman en voyant cette grande et magnifique église offerte par Sa Majesté. Je suis le prêtre de ce temple hindou. Ici, il y a trois temples. Celui-ci est le temple Krishna, juste à côté le temple Ganesh, et le troisième se trouve à proximité. Tous les jours, au moins 500 personnes viennent pour prier.
Le vendredi, ils sont à peu près 4000 à 5000 personnes. Lors des festivals, la date anniversaire de Krishna ou de Vishnu, ils sont 10 000 à 15 000 personnes à assister à chaque fois à l'office. L'endroit est très sûr, je me sens en sécurité. Ce sont des gens bien à Oman. Nous sommes à une époque où l'humanité a besoin de la reconnaissance de l'autre, que l'on diffère ou non avec lui sur l'orientation et la croyance religieuse. Notre ignorance de l'autre est source de problèmes, d'embarras et d'incompréhension. Chaque fois que l'on s'approche de l'autre, on le comprend. Chaque fois que nous sympathisons avec l'autre, nous devenons plus aptes à vivre avec lui, et non pas seulement à cohabiter avec lui. Car l'humanité a besoin de plus que la simple cohabitation qui désigne des limites entre soi et l'autre, alors que le vivre ensemble signifie la disparition de ces limites. Et c'est le cas à Oman. Oman. عمان نوح الذي قد سل أضلعه يبني عبور مرايا لفها الغسق عمان موسى التي شقت بإصبعها صخر اليباس فشع النخل والحبق وهي المسيح التي من دمها صلبت ليل الغزاة وتاج الشر مختنق Le public omanais aime beaucoup la poésie, qu'elle soit dans la version populaire ou classique. Même s'il est vrai que la poésie populaire attire davantage, car elle s'adresse au grand public dans sa langue et dans son accent, et lui est plus intime que la langue arabe littéraire qui, elle, demande plus de concentration de la part de l'auditeur, et un fond de culture savante. En outre, il existe à Oman des institutions étatiques et civiles qui prennent en charge l'activité poétique. On y accorde beaucoup d'intérêt à Oman. Tous les mercredis, l'Opéra Royal de Mascate ouvre ses portes aux écoliers d'Oman. L'art lyrique et la culture musicale sont inscrits dans le programme éducatif de l'enseignement général du sultanat. C'est un miracle de pouvoir travailler dans cet espace merveilleux qui a vu le jour et a été inauguré en 2011 avec une splendide production de Turandot réalisée par Franco Zeffirelli, qui était alors directeur artistique des Arènes de Vérone. Mais au Moyen-Orient, c'est sensiblement la vision du sultan Qaboos Ibn Said al-Saïd, cette vision de créer des passerelles culturelles avec le monde, donc de mettre en relation les diverses cultures, les diverses traditions, les diverses langues, en utilisant un langage peut-être plus beau, qui enrichit l'âme, c'est-à-dire la musique. Quello che arricchisce l'anima, che questo è la musica. L'objectif est de faire parvenir la culture, que ce soit la culture de l'art ou de l'opéra, aux générations futures, ces jeunes pousses qui représentent l'avenir. À la maison de l'Opéra Royal de Mascate, nous tenons à faire parvenir ce beau message aux jeunes, afin que l'homme de demain soit imprégné de nobles valeurs et ouvert aux cultures du monde. Le
l'Orchestre symphonique royal d'Oman a été créé en 1985 à l'initiative du sultan Qaboos, fin connaisseur de la musique classique européenne. Depuis, plus de 150 concerts ont été donnés au sultanat ou à l'étranger. L'Orchestre symphonique royal d'Oman est le seul à réunir uniquement des musiciennes et des musiciens arabes. En 2010, le sultanat a lancé une belle initiative adressée d'Oman au reste du monde, sous forme d'un message appelant à la coexistence, à la compréhension, aux valeurs communes et à la tolérance. Ce fut le message de la paix d'Oman. Cette initiative présente au monde une perspective destinée à tirer profit des différences existantes pour en faire des différences positives et non pas négatives. À faire en sorte que la diversité au sein des sociétés soit un facteur de développement et de savoir partagé, menant au bien de l'humanité. Car la différence n'est pas un problème en soi. C'est la manière avec laquelle nous traitons la différence qui importe et avec laquelle nous faisons en sorte que l'homme se sente proche de son frère humain, qu'il respecte ses droits, montre de la considération pour sa religion et refuse tout ce qui divise la communauté humaine, que ce soit par la voie de la radicalisation, la violence, la haine, le terrorisme ou autre chose. Cette initiative a touché jusqu'à maintenant 37 pays sur les continents de la planète. Elle est arrivée dans 120 villes en tant que message d'Oman, à travers 26 langues, de manière à toucher le plus grand nombre de gens. يا أنت شاهقة المعنى وحاملة على كفوفك زيتونا ولا رهق أنت المدائن أحلاها وبشغف أدس كلك في كفي ونلتصق نطير دون جناح دون أمتعة إلا شذا عطرك الفواح يعتبق إني أحبك يا رقراقة بدمي يا أنت وجه نبي بيته الحدق